Ok, bonjour Pierre. Entraîneur de l'équipe 2. Un bon groupe, je pense, cette année avec la montée en division supérieure. Oui, un très bon groupe même. On va dire qu'il y a eu vraiment une bonne cohésion. On s'est super bien entendu. Je pense qu'il y a eu beaucoup de monde qui a été assidu aux entraînements et ça s'est ressenti cette année au niveau des résultats. Qui fait qu'on a réussi à monter et gagner cette première place sur les matchs et qui nous ouvre aussi les portes d'une finale un peu inédite Contre contre l'Ice Passage. ce passage de samedi 10 juin. Samedi, voilà, dans 10 jours, enfin dans une semaine pratiquement même plutôt. Donc, Voilà, je pense que ton c'est effectif va être complet? quasiment peut-être un ou deux pépins, mais après. On a les 13-14 joueurs de toute la saison. Maintenant, il y a des choix qui vont être compliqués. Il y en a certains qui ne joueront pas la finale, qui ont joué toute la saison. Mais c'est dû aussi aux largesses de l'effectif de cette année, qu'on n'a pas eu pendant quelques années. Et puis peut-être l'implication des Voilà, et joueurs puis. pendant toute la saison. Puis bon, les objectifs étaient assez clairs en début de saison, donc c'était de monter et puis d'essayer de jouer les premières places pour jouer justement cette finale. Je pense que tout le monde a bien joué le jeu et c'est ce qui fait aujourd'hui que nous allons jouer la finale dans une semaine, quoi. Donc, tu t'es senti bien à l'aise dans ce rôle d'entraîneur pour la deuxième année? Bah oui, franchement, ouais, c'est un chouette poste. Après, je pense qu'il y a une bonne part aussi avec Romain, où on s'est pas mal entendu, on a pas mal communiqué. Je me suis aidé aussi de tout ce qu'il faisait, des entraînements et tout, pour avoir un peu joué avec lui, où alors on a beaucoup discuté. Voilà, je pense qu'après, c'est la montée de tout un groupe, c'est aussi l'équipe 1, aussi les joueurs de la réserve, plus le staff, plus Romain, donc voilà, tout cumulé.